Nous allons continuer et en même temps, ça nous permet aussi de parcourir les différentes régions du Burkina. Voici la troisième candidate en tenue traditionnelle du Burkina Faso. Elle s'appelle Guylaine Yanogo, elle est du Kuritenga. On l'applaudit très très fort, s'il vous plaît. Honorable jury, tendres familles et amis, chers invités, bonsoir. Neza Abri, Mamioula Guylaine Yanogo, Ntara Yum Pisi, Yamyamwara. Je suis Guylaine Yanogo, j'ai 20 ans et je suis d'origine Mossi. Je prépare actuellement un certificat pour être assistante de gestion et parallèlement je travaille dans la vente. Si je suis présente parmi vous ce soir en tant que candidate à l'élection Miss Burkina Faso France, c'est premièrement parce que je suis très fière d'être burkinabé. Je suis fière de mes origines, fière de ma culture, fière de mon accent burkinabé, qui est étranger à un grand nombre de personnes ici en France, fière d'appartenir au pays des hommes intègres. De plus, j'ai toujours adoré parler du Burkina Faso. J'ai vu en cette aventure le moyen de faire connaître aux moins initiés et redécouvrir aux habitués la beauté de nos traditions, en particulier avec la tenue traditionnelle Mossi que je porte ce soir et la danse traditionnelle Mossi que vous aurez l'occasion de voir dans quelques instants. Cependant, mon amour pour mon pays va au-delà de cela. Je me veux être une citoyenne impliquée dans le développement du Burkina Faso et pour cela, je me suis dirigée vers le développement de l'accès à l'éducation. Vous ne le savez peut-être pas, mais depuis bientôt 2 ans, Depuis bientôt 2 ans, merci. Allez, tu respires un bon coup, d'accord? Depuis bientôt 2 ans, excusez-moi. Tu respires un bon coup, tu fais un joli sourire à tout le monde, d'accord? Et puis tu reprends. Qu'est-ce qui se passe depuis 2 ans? Je fais partie d'une association burkinabé, de jeunes burkinabés, qui s'appelle le Play and Give, qui a pour objectif d'œuvrer, de soutenir des structures burkinabées qui viennent en aide à des enfants défavorisés. Donc si je suis élue Miss Burkina France ce soir, mon objectif serait de réussir, grâce à l'aide de NATSET TV, à organiser un grand événement dont les fonds nous permettront de mener encore plus loin notre combat et nos actions contre ces inégalités d'accès à l'éducation. Car selon moi, notre pays a besoin d'une jeunesse instruite et prête à relever les défis de demain. Je tiens à remercier tout le comité d'organisation de NATSET TV pour cette merveilleuse aventure, en particulier la présidente Madame Pierre-Emmanuel Adoté et Diba, notre coach chorégraphe. J'aimerais aussi souhaiter par avance bonne fête à vous mesdames dans la salle et bonne fête de la femme à toutes les femmes du monde. Je vous remercie, excellente soirée à vous. Merci beaucoup Guylaine, je ne vais pas te lâcher de sitôt avant de nous présenter ta danse traditionnelle du Burkina. Tu as dit quelque chose de très important, tu aimerais soutenir des enfants en situation difficile du côté du Burkina. Et pour cela, je crois qu'il ne faudra pas courir toutes les régions du Burkina. Est-ce que tu connais le nombre de régions au Burkina Faso? 62. Régions. Les régions. Il y a 13 régions au Burkina, excusez-moi. Comment? 13 régions. 13 régions au Burkina Faso, c'est bien cela. Merci, monsieur Bondé, c'est cela. D'accord, on l'applaudit très très fort, s'il vous plaît. Merci, on va te laisser pour ta danse traditionnelle. C'est quelle danse? Le Warba et un mélange de l'Iwaga. D'accord. La beauté, tu t'en viens.
On applaudit pour Guylaine, s'il vous plaît. Guylaine Yanogo, merci.